Salut à tous, une vidéo qui va être complètement délire. J'avais envie de péter un petit câble histoire de rigoler à mon coup. J'ai déjà fait une vidéo sur Compiz dans Arch Linux et dans une machine virtuelle. Je me suis dit, ça donnerait quoi sur mon vieux bousin avec des pilotes libres, Nvidia libre, enfin les pilotes libres nouveaux. Donc j'ai franchi le pas, j'ai fait compiler l'ensemble, la preuve en action. Donc je vais dans Dossier personnel, Logs, Pack AUR où je stocke tous les paquets et vous avez bien sûr. Compiz, Compiz Manager, Emerald avec ses thèmes, et bien sûr le Fusion Icon. Donc là, je vais lancer Compiz Fusion Icon que j'ai déjà préparé à l'avance, et vous allez voir ça. Ouh, que c'est bien! Waouh! Yes, c'est bien Compiz! Donc là, j'ai le thème de Beryl. Ouais, on fait voir, c'est la fenêtre, c'est bien la fenêtre, ouais! On a le thème, je réduis, zoup! Et je réouvre, zoup! Donc vous voyez, j'ai décidé de pousser le vis au maximum. Un petit cube, pas de problème. Bouh, ouais, super! Gerbi, gerba, gerbi, 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 gerba! Et regardez si c'est rapide. Et je suis sur ma machine réelle. Pas mal. Alors, on va voir si on peut pas mettre quelques effets supplémentaires. Donc, je vais dans le Setting Manager. Ta bouche. Voyons. On va prendre les Wizard. Allez. Ouais, on va prendre des super effets. Ouais. Donc, c'est Super W. Voilà. Ouais. Super. C'est Boris, la soirée disco. Pour les personnes qui ne connaissent pas Boris, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet? Voyons, voyons, voyons. Les animations, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Close animation, minimize. Bon, ben, je vais vous montrer ça déjà. On va prendre les effets d'eau. Là, ça va faire redémarrer Compiz. Alors, les effets d'eau. Contrôle plus super. Activer, désactiver la pluie. Maj F9. Les effets de pluie aussi. Donc on va les activer. Maj F9. Oh, l'essuie-glace, ça donne quoi à propos? Je ne sais même pas si ça va donner l'essuie-glace. Maj F8. Là, je vais voir contrôle super. Maj F8. Bon, ça ne fonctionne pas, pardon, l'essuie-glace. Alors, on va voir précédent. Qu'est-ce qu'il y a d'autres options alors? Donc, bien sûr, il y a ça. Alors, je vais voir si je peux avoir l'effet ring. Blablabla. Alors, l'effet ring, il est où ce tournouille? On va voir le shape. Shape, c'est choisi tout à l'heure. Voilà. Ta gueule. Donc, on va relancer Compiz. Voilà. Bon, Compiz est un peu instable, mais on va voir ce que ça donne maintenant. Alors, Alt-Tab, alors peut-être. Hop ça. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Alt-Shift-Tab peut-être. Non plus, c'est pas ça. Shift Super S, d'accord. Maj Super S. Voilà. Et maintenant, on fait un petit Alt-Tab. Ouais, youpi! Là, super! Vous voyez ce qu'on peut faire avec Compiz? C'est bien l'informatique libre, hein? Ouais! Bon, c'est vrai, c'est un petit délire que j'ai voulu faire, mais c'est quand même agréable de revoir ce que pouvaient faire des codes bien développés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Poum, 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 poum. Firepaint. Donc, c'est quoi ça? Donc je vais désactiver. Voilà. Alors Firepaint, désactiver. Alors, Maj, drapeau, bouton 1. Ah oui! Maj, super C. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trail Focus, Simple Animation, flouter des fenêtres. Je ne sais pas ce que ça va donner.
Alors, foutre les fenêtres. Bon, je vais désactiver le foutage de fenêtres. J'en ai pas besoin. Allez, qu'est-ce qu'on va faire comme autre effet? Alt F2, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, on va changer le thème. On va changer le thème d'Emerald. On va prendre autre chose. Non, non, non. Non plus. Encore moins. Bof. Ah, on va prendre celui-là, tiens. Ou peut-être. Lequel on va pouvoir prendre? Tiens, on va prendre celui-là. Voilà, bon, c'est un peu petit, je trouve. On va prendre Mac for Linux, tiens. Non, moche. NewMix, peut-être. Non plus, il est moche. Teskin, pareil, il est moche. On prend celui-là. C'était celui-là que j'avais pris par défaut. Soin, soin. Ah, on va prendre Menta, tiens. Super, hein? Allez, on va arrêter. J'espère que vous n'avez pas trop vomi. Moi, j'avais envie de faire cette petite vidéo délire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!